On va nous donner deux micros, donc on en a un que je retape. L'événement, la ville de Saint-Maur ce soir, sous les regards de plus de 600 millions de téléspectateurs. Mais oui, ça fait rêver. Car les caméras de la télévision chinoise CCTV5 vont retransmettre en direct le franchise de Kung Fu 101 qui va se dérouler dans quelques instants. La ville de Saint-Maur, la Fédération européenne de Wushu Sanda et la fameuse école chinoise de Daizhou se sont associés pour vous présenter ce grand gala d'armation chinoise. Comme c'est le nouvel an chinois, c'est l'année du lapin, pour vous mettre dans l'ambiance de la culture chinoise et de sa tradition, je vous invite à découvrir. Qui remonte à la période des Chang et des Shu. Ils étaient au rythme de musique traditionnelle. Aujourd'hui, c'est en honneur de ce grand gala de Kung Fu Sanda que nous vous présentons donc cette fameuse danse de lion. Thank you.
chinoises du cinéma, avec leurs cascades et leurs coups assez extraordinaires. Il a été pionnier du Kung Fu en France, il a eu de nombreux podiums mondiaux. Il est 7e dan. Je vous demande d'applaudir monsieur Maître Dan Schwartz. Merci Pierre, c'est pas mal. Mais avant de poursuivre, j'aimerais appeler ceux qui sont à l'œuvre pour ce grand gala ce soir. Ils ont créé la Fédération de Kung Fu Sanda. Ils ont ce beau spectacle avec nos amis chinois, Maître Li Minze, le sénateur maire, M. Henri Pagnol, qui nous fait l'honneur d'être là, et toute l'équipe municipale, Stéphanie Chupin, et tous ceux qui nous ont aidés à lesquels nous avons pu monter cette compétition. Maintenant, j'aimerais que M. le maire vienne nous rejoindre sur la plateforme de combat. Pagnol, merci de votre présence. Et je passe la parole tout de suite à Tony. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette grande réunion. Et j'espère que nous allons passer d'excellentes soirées. Tout d'abord, monsieur Pagnol, pardon, je vous remercie. Sans vous, rien n'aurait été possible. Voilà. Hein, et je suis sûr qu'on va passer un formidable moment. Donc je voudrais remercier évidemment les organisateurs qui m'entourent, les très grands sportifs, et puis saluer d'un mot toutes les équipes municipales, le service des sports, à la cette belle soirée, et bien sûr remercier le public qui a été au rendez-vous, public présent, parce qu'il y a le public qui nous regarde en ce moment même en Chine, probablement des millions de personnes. Vive le Kung Fu, vive le sport, vive l'amitié entre la France et la Chine. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le maire et aussi tous les le président de l'association. Et avant mes prochaines campagnes électorales, je regarderai cette épée pour qu'elle me donne l'esprit de la victoire.
le travail technique, pied-point, Allez.
Thank you.
chute si vous avez. Non, stabilisé. Il y a de la sortie dans les dernières secondes. Attention à ne pas se faire contrer. Comment vous dire, vous changez de garde, on va peut-être déstabiliser le chinois, mais le chinois avance toujours. Il fait de la pression, attention, deuxième sortie. Fin du troisième round. Et dernier. Et nous allons attendre le résultat. Les trophées seront remis par M. le maire, M. Flaviol. Vainqueur. Tang Teiyou. Vainqueur. Remis en pleine lumière. Voilà donc des applaudissements pour Zhang Chengyu, mais aussi pour le vaincu Yves Desvain qui a fait un très bon combat.
remercier et qui attend vos applaudissements et vos encouragements. Yes!
Pierre Volontia. Et les trophées seront remis par M. Kevin Taro, comédien, réalisateur. Oui, Kevin Taro, qui a travaillé sur le film de Rochefort. Avec Jérôme Chan. Thank you.
j'ai le temps, j'ai le terrain également. Restez vigilants.
tout en poussant sur notre nutrition alimentaire. On me dit également que mademoiselle Simon est une pratiquante de haut. Juste une petite précision. Entre les deux combattants, il y avait 8 kilos d'écart quand même. Thank you.
Alors avant que le combat commence, rappelez-vous le symbole des cinq expressions du combat dans les arts martiaux chinois. Cette méthode est très ancienne et date de l'époque de la dynastie des Tang. Alors, pour la Chine, mademoiselle Ren Yasheng. Pour la France, Monia Larabie. Tente saisie. Ah ouais.
très mal. Là, on va commencer à critiquer le matériel chinois. Et la remise des récompenses après le verdict. Et bien,
les athlètes sur le mondial. Voilà, pouvoir la rapide et la chinoise Ren Yazen. Pascal Swetlins, un pratiquant de Kung Fu, il a été membre de l'équipe de France et il a participé à plusieurs championnats internationaux de Kung Fu avant de s'exposer avec son émission Le Grand Frère. Sur TF1, la série de TF1 qui connaît une belle audience. Et rappelons que Pascal Swetlins est le parrain de ce gala franchi. Sans compliquer,
C'était un combat très offensif et c'est vrai que Liu Xiong a réussi le coup. Victoire sans conteste par KO. Eh bien, pour remettre le trophée de ce combat, nous allons appeler quelqu'un qui connaît bien la compétition et le combat, puisqu'il a été champion du monde de karaté. J'appelle Giovanni Tramontini.
pas assez rapide pour l'instant, mais il va rentrer dans le monde. C'est bien que... Spectaculaire qui sort de l'ordinaire. Coup de pied. Retourner circulaire et tente une deuxième fois. Maintient son équilibre. Oui. Bravo Thierry, c'est un ami de coup de pied visage. A encourager Thierry parce qu'il a passé à lui. Messieurs les arbitres,
Donc, le 0 route bleue de Sophie. Alors, égalité parfaite entre ces deux superbes bons battants. La troisième reprise va être décisive. Et on ne peut pas imaginer que ce super champion Lyon se fasse manœuvrer comme il vient de le faire contre la deuxième reprise. Je pense que là, il a repris un peu son souffle parce qu'il faut savoir qu'ils sont descendus de la tente il y a une journée. Et je pense qu'il suffit que je joue un grand rôle entre Chine et cette année. Les enfants, allez, accompagnons Cyril Bichette. Cyril Bichette face à Lee Young. Ce se donnera de sa mort.
avec ce combat contre le Lyon. Messieurs les arbitres, décision. Décision. Bleu.
de France des Jours Bronzemains. Est-ce que cette soirée restera ancrée dans l'histoire? Oui, je pense que ce soir, en fait, les vrais vainqueurs, ce sont les arts martiaux chinois. Et uniquement eux. Et je vous engage à les pratiquer, car ils revêtent différents aspects. Pas simplement l'aspect du combat, vous avez vu des démonstrations. Merci à Pierre d'avoir présenté cette soirée. À nos amis de canalplus.fr, à la municipalité de Saint-Maur, qui nous a permis de faire cette magnifique réunion. Et il y en aura d'autres. Merci à vous tous. Connu il y a quelques dizaines d'années, non, enfin, pas. Mais il est toujours vaillant, il est toujours percutant, et en plus c'est un brillant ambassadeur des arts martiaux chinois. Dan Schwartz. Bien maintenant, Pascal Giraudet, mon homologue à la commission des arts martiaux de Chine. Voilà, Pascal Giraudet, pratiquant à la fois d'arts martiaux japonais. C'était en direct sur Canal Sport. Sur Canal Street. Canal Street, par internet. Exactement, et rediffusion après dans l'émission Fight, animée par Jean-Paul Maillet. Voilà, donc vous pourrez revoir ça, soit par internet, soit dans l'émission Fight, qui est un magazine maintenant hebdomadaire. Hebdomadaire. Merci beaucoup. Et on va appeler Claire Lemeur. Alors apparemment, c'est à moi que revient le mot de la fin. Ben, la fin, c'est qu'il n'y en a pas, justement. Donc rendez-vous très bientôt. Dans cette même salle, il y aura d'autres championnats. Ça, on peut vous l'assurer. D'autres rencontres prestigieuses avec nos amis chinois. Monsieur Marino. Voilà, c'est grâce à cette municipalité qui est très dynamique au niveau du sport qu'on a pu créer cet événement. Demain, dans cette même salle, il y aura un stage de Santa avec cette équipe de Chine. Ne ratez pas ça. La Chine est venue à nous, donc ne ratez pas cet événement. Profitez de tout ça. Voilà, nos amis chinois. Voilà. Mais j'aimerais tout simplement qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils ont été merveilleux. Et nos combattants. Le conseil municipal, Stéphanie, Alain Grégo, Pierre Funa, hein, qui est un grand, grand reporter, qui a su animer cette soirée. Je voudrais aussi remercier tout le comité d'organisation, nos arbitres qui ont fait un travail exceptionnel, nos hôtesses, nos agents de sécurité et naturellement nos combattants, encadrés par deux entraîneurs superbes. Bravo, merci à tous. Passer le montage.